سوغا نروح سي ابراهيم 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 مثلا ابراهيم منصور يمسلاي جوستومون لا بوليتيك انترناسيونال امثين امثين نترابي كاع وذا شو غايخدم هكا جو بايدن كتشيني تو غاشقا كاطس مسال تكي غاشكو طاسيت النوضا طاسيت خمر لي ريشيرش وطاسيت توزا طاسيت بنات كي لا مونديال او يفون دفكرتها مغليك يمشي توالي Euh, à, à, à partir du discours de Biden, euh, comment tu peux prévoir le, ce qu'il va faire Biden euh, sur le plan international Écoute, euh, lui, dans, dans son discours, il, il n'a pas axé l'ensemble de, de ses paroles euh, dans le partenariat à l'échelle internationale, mais beaucoup plus, il a parlé de la classe moyenne. Je rejoins l'idée que l'économie américaine. Pour ce qui est des, des républicains basés sur euh, les fondés, sur l'initiateur, mais ce n'est pas ça l'économie. L'économie est basée sur euh, la force productive qui est le travailleur. C'est lui qui est la force de la production, c'est lui, lui qui représente l'économie. C'est ça la différence entre, euh, entre les démocrates et les, les républicains. Euh, mais dans son discours, il a parlé de la classe moyenne. Il a parlé de la science. Je rejoins l'idée de notre ami quand il a dit que Trump, il a fait beaucoup de massacres, non seulement euh, sur le plan, euh, sur ses relations avec les institutions internationales, mais beaucoup plus en nommant des juges à hauteur de tous les tribunaux fédéraux. Mais il y a un élément qui est très important, que Trump, il a bloqué le budget qui touche, qui touche la recherche dans l'environnement. Tous les dossiers d'environnement ont été bloqués. Il, il, a, il a carrément bloqué les moyens de recherche dans le domaine d'environnement et même dans d'autres domaines. C'est un élément. d'autres éléments, c'est que les étudiants étrangers, il leur a fermé la porte. C'est pour ça que le Canada, à l'intérieur des quatre années, la majorité des étudiants qui viennent des pays arabes, des africains, des pays d'Europe, ils venaient au Canada. Alors qu'avant, ils partaient aux États-Unis. Donc, il a fermé la porte à ce niveau-là. Donc, il y, a, il y a des répercussions sur la base de ces agissements qu'on trouve un peu partout. C'est pour ça que moi, j'ai parlé de, de, de Trumpisme. Est-ce que, est que la société américaine n'est pas prise dans les griffes de cette psychose installée par, par Trump et, et ceux qui l'entourent parce qu'il n'est pas le seul, je ne pense pas qu'il a aussi une force, une intelligence pareil, pour installer euh, toute une idéologie, idéologie de la peur, parce que les gens ont peur. Regardez, est-ce qu'il y a un président imparable qui a parlé Non, parce qu'ils se disent d'ici le 11 février, il est toujours président. Et d'ici le 11 février, il peut même appuyer sur un bouton pour envoyer une bombe. Il peut le faire. Donc, ils sont dans la peur. Il faut, faut se rendre à moi, je, je Moi, depuis que Trump il, il est président, je ne vais pas aux États-Unis. Autant que citoyen, je ne vais pas, parce que je suis dans la peur, je ne fais pas confiance à, ce, à cet État, parce que tout peut arriver à la frontière. Beaucoup de personnes sont arrivées à la frontière et sont retrouvées en prison, sans aucune raison, parce que la, la loi Trumpiste est là. Et l'étranger n'est pas le bienvenu. Moi, c'est pour compléter un petit peu le profil de Trump, de Biden. Biden, moi, je, je peux faire une analogie. Euh, Aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui est la même que la situation de quand Obama a pris la présidence, après Bush. Après Bush, il y avait la guerre du Golfe. Aujourd'hui, il y a la COVID-19. Après Bush, il y a la crise économique. Aujourd'hui, dans la crise économique. Donc, il y a, après Bush et le Sénat, il dominait. Aujourd'hui, le Sénat, il est presque à la frontière de la domination. Et sans le Sina, je rejoins votre position. But il, ne, il ne peut pas changer les choses. Il ne pourra pas changer les choses. Il est pris, il est coincé. Il ne peut pas agir contre la loi. Dans lui, les démocrates sont partisans de la loi, malgré que Trump il a souvent violé la loi. Mais eux, ils sont attachés. Ils ont beaucoup de respect pour la loi. Pourquoi Parce que les démocrates et Biden ils tiennent à la moralité dans la politique. Sorbayan, c'est l'homme d'affaires de la rue. Il m'explique, je ne veux pas aller dans son langage, mais c'est une vérité. Il disait que dans son premier voyage, il est parti en Arabie saoudite, il a pris des positions contre l'Iran. Mais il a pris des positions contre l'Iran. En contrepartie, il a eu, il a eu quoi Le grand chèque Il l'a montré. Si vous vous souvenez, quand il est parti à Riyad, il a pris un très grand chèque entre ses ces, entre jambes. Mais un président, il n'a pas le droit d'agir de telle manière. C'est de l'indécence. Donc, Trump, il n'a pas de valeur morale. Il, il, un milliard, et proposition. il prend position. Il prend position contre même son propre personne. Aujourd'hui, sur la base de cette philosophie, il a pu construire. La moitié de la société américaine est avec lui. C'est un, un grand chantier, c'est un très grand chantier. D'abord, il faut entre guillemets, éduquer, mettre une certaine éducation morale pour expliquer que l'Amérique, que l'angage Amérique n'est pas représentée par la violence. Que la violence n'apporte pas de profit, elle apporte la peur. Et la peur, je rejoins l'idée de Russie tout à l'heure, quand vous avez dit qu'il a installé la peur, mais la peur, elle peut générer la violence, la rébellion. Ils sont conscients que si Trump est passé en deuxième mandat, il va y avoir une rébellion, parce qu'à un moment donné, les gens vont prendre des armes. Et les gens vont réagir, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience politique de ceux qui dirigent ce pays, même du côté des Républicains. Je pense qu'il est lâché même d'une partie des Républicains, parce qu'il savent pertinemment qu'au Trump, il va dans une direction, il va casser l'Amérique. Et s'il arrive à la frontière de la destruction, la récupération est difficile. On est à la limite, à la limite de pouvoir récupérer cette Amérique et de la remettre sur le rail de la démocratie. Je pense qu'il y a une réaction sage de la part des démocrates, du parti des républicains. J'ai vu beaucoup de républicains du Sénat qui ont pris position sage contre euh, l'insolence de Trump de quitter la Maison Blanche, en disant "Écoutez, c'est la voix du citoyen qui décide." Si. Et je je pense que c'est ça qui va prévaloir et je, et je souhaite que le Sénat revienne entre les mains des démocrates pour que ça donne la chance, les moyens à Biden de pouvoir toucher beaucoup de dossiers, notamment des dossiers qui touchent la partenariat international. Le retour aux institutions, le dossier de l'Iran, je reviens à la question du dossier de l'Iran, est très important. Parce que le dossier de l'Iran maintient l'équilibre régional. Et si on fait une analogie à l'époque où l'Iran est rentré dans le marché, il y a une répercussion. Il y a une répercussion sur le, sur, qui touche l'économie mondiale. Parce que si le pétrole et le gaz iranien trouvent sa liberté de couler dans le marché international librement, il va avoir un déséquilibre complètement dans l'énergie le, dans le, Moyen-Orient. Il va avoir un conflit entre les sunnites et les chiites. Ou à l'époque, si vous vous souvenez, l'Arabie saoudite coulait à, à flot son pétrole pour un dollar symbolique. Et là, ça va détruire complètement notamment l'Algérie. Je reviens pour dire qu'à l'époque, l'Algérie a souffert du conflit qui a touché, qui était entre l'Arabie saoudite en Dubaï et avec l'Iran. Pour détruire, pour freiner l'Iran sur le plan d'exportation, l'Arabie Saoudite a ouvert ses vannes au maximum. Donc, ça, c'est l'une des répercussions qui peut toucher. Je reviens un petit fil conducteur vers notre Algérie pour dire qu'est-ce qui pourrait toucher ce pays. Sinon, en termes de politique internationale, l'Algérie est loin. De la, de la scène de la, de la déploiement internationale Elle est complètement absente. C'est juste un gros terrain vague qui là qui observe, qui attend, qui consomme, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas de, de perspective. qui euh, Je ne veux pas aller plus loin dans ça. Je vous laisse. Euh, euh, je vous laisse réfléchir sur la suite. Voilà. Mais bon, voilà, c'est ça le commentaire que je vais Je vais rester encore un petit peu. Ça a été un plaisir de partager avec vous euh, ces moments de, de plaisir, euh, de, de vous écouter. Vous m'avez appris beaucoup de choses. J'ai une émission juste à 7h30. Voilà. Donc, je vais rester encore un peu avec vous et puis je vais vous écouter après. J'aimerais voilà. répondre à Brahim. Brahim, ba, bon, je pense que, écoute, je pense qu'il y a un petit peu une dramatisation de la situation. Donc. Okay. L'Amérique, elle est ce qu'elle est. Puis Trump, on sait qu'il n'a jamais fait de politique, donc ils disent qu'ils pensent et c'est très bête. l'Amérique, l'Amérique la plupart des, des pays là, c'est on est dans le, 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 le c'est le, le machiavélisme. je pense pas. Quelqu'un a parlé de Hope, Hope de Obama. Obama, tout le monde pensait que bah, c'était un président extraordinaire. Il a ramené des bonnes choses. Mais la première chose qu'il a fait, un mois après son investiture, quand il y a eu le problème en 2008, les gens qui ont, les, les gens qui ont perdu, des, des milliers, des milliers d'Américains ont perdu leur maison. Puis après ça, il a mis un milliard, un trilliard d'aides sur la table. À qui il l'a donné Il l'a donné aux banques. Il ne l'a pas donné aux gens qui ont perdu. Bush, qu'est-ce qu'il a fait Bush Il a ramené le. Bon, de juste de, de, on parle juste de, de, de Trump. Bush, il a ramené le terrorisme. Reagan, il, il, a, il a enlevé l'État de Providence. C'est toutes des États. L'Amérique, c'est ça. L'Amérique, c'est l'impérialisme. C'est le gagnant. C'est le va-tout. Sauf qu'on a eu. Bon, Trump, euh, Trump il ne va pas changer la, 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 le monde. C est, c est, c est, et Trump, il a été utile pendant ces quatre ans. Il a, il a été utile, puis après ça, on peut discuter pourquoi il est un petit peu utile. D'ailleurs, c'est bon ce changement de, de conservateur vers le, vers le démocrate. C'est ça qui fait la force de l'Amérique, c'est ce changement, c'est cette, cette liberté, puis cette, la force des individus de s'emparer d'un gouvernement et faire ce qu'ils veulent presque. Mais ça pousse le pays à des erreurs, mais ça pousse aussi à, à, à se corriger. En se corrigeant, on devient plus fort encore. C'est ça la, la beauté de. Donc, donc euh, Obama, tout le monde pensait que c'était un ange. Au fond, c'est juste. C'est un autre président qui fait partie du système américain. Le système américain, le plus important, c'est l'entreprise et l'entreprise a besoin de stabilité. Puis, on, aux États-Unis, il y aura toujours cette stabilité. Il n'y a personne, aucun président qui va déstabiliser l'Amérique parce que l'entrepreneur, l'argent, l'économie a besoin de stabilité. Une fois je je vous racontais juste quelque chose une anecdote qui m'est passée j'ai rencontré un très très riche juif à l'onu c'est un gars sans, sans père il venait du maroc et quand il a entendu que j'étais algérien ici, oui, il s'est dit, vous êtes algérien ça c'est moi j'étais vraiment surpris un petit algérien là bas il dit est... Son père, il était avec le roi de Maroc, puis tout ça, il me racontait, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas rencontré un Maghreb. il était tellement. Ishtak, il avait, je ne sais pas, 70 ans. Ça, je suis Il est né, on a quitté l'Afrique du Nord. Là où il n'y a pas la stabilité, on ne reste pas. On est venu en Amérique pour gérer l'Amérique. C'est-à-dire, ces présidents, ces, 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 ils sont là, comme en réalité, bon, comme on a dit tout à l'heure, la, la différence entre. Entre les, les, les libéraux et les, et les républicains, elle se tient surtout à la façon de gouverner, l'égalité, les inégalités, l'intérieur, l'extérieur. Mais, mais l'Amérique, elle est sur une, une, une démarche euh, de succès et de, de gagner. Rien ne pourrait l'arrêter. C'est ça le, le, le point que je ramène un petit peu à, à, à Abraham quand, quand vous dites que on est au bord, puis on est au bord l'amérique elle est très 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 forte elle, elle, elle gère le monde puis, euh, puis euh, la beauté moi en revenant aux algériens là, c est, c est, la leçon là c'est d'apprendre d'apprendre sur l'amérique l'amérique elle a commencé avec rien elle a commencé avec une constitution en 1747 c'est des gens qui ont fait une guerre d'indépendance qui a duré sept ans contre les anglais et ils ont construit ce pays sur une base de liberté une base de justice une base sur tout. dans leur constitution, c'est écrit, hein, c'est assurer le bien-être et le bonheur des Américains. C'est ça le but de tous les, les, les systèmes, de tous les partis. C'est pour assurer le bien-être. Sauf que quelqu'un, des fois, bon, la tendance républicaine, ils ont peur, ils sont plus fermés. Ils, pour eux, s'ouvrir, c'est un danger, c'est tout. Pour les, les, les démocrates, c'est pas un danger, au contraire, il faut s'ouvrir. Mais ce qui arrive dans un pays, c'est que des fois... C'est bien d'être démocrate. Regarde, Silicon Valley qui a changé le monde entier depuis les dernières 20 ans. Silicon Valley, elle aime les démocrates parce que, parce que les démocrates leur donnent la liberté de, de, de faire et de risquer. Mais une fois que les Silicon Valley ont tout fait sur Internet, ils ont changé le monde à tout point de vue, maintenant ils ont besoin des conservateurs. Et les conservateurs, qu'est-ce qu'ils leur amènent Ils leur amènent la stabilité, les lois les règlements à ne pas enfreindre, etc. Pour être... Donc, c'est d'un passage à un autre. C'est ça qui fait la force et le, le renouveau de ce pays. Il se renouvelle tout le temps. Mais euh, je vais juste compléter quelque chose si je vous quitte. Il se régénère, oui. il se régénère tout le temps, mais l'instabilité est une source de pouvoir. Jamais. Absolument. La peur tout et faut. tout ça. Absolument. Absolument. Regarde, l'Algérie 62 aujourd'hui est instable et pourtant le pouvoir n'a pas bougé. C'est une source de pouvoir. Absolument. Je vous laisse, mes amis, ça a été un plaisir de partager avec vous ces moments et puis oui, j'espère qu'on aura la chance de vous revoir bientôt. Allez, on va commencer. Merci. 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 Merci.

Mais <sum> bon, ils gouvernent. les politiciens, mais tiens, les politiciens, les politiciens qui gouvernent, le pouvoir, soit parce que c'est des militaires, c'est le pouvoir, soit <sum> parce que c'est des propriétaires de terre, c'est un échelle, non, c'est les esclaves. La majorité des Founding Fathers, c'est les esclaves

نزمر نخدم لونيون اكويد ون معنا الى <سؤال> قا في قدر الدروه انسى ان نحسب نحسب لي زيسكلافيك ما الا غا تكتب لي زيسكلافيك سا نو زانتريس با لونيون دونك يفا لي تروفي ان كومبرومي ات نيغوسيي ناس نيغوسيي ناس نيغوسيي نا سينا غي تقيم لا كولتور كي دي ميريكان الكومبرومي سي بور سا كو كي ندير نجم مثلا كريم سي ان بي كي افونس خاطر M. Kemensin et Artavila, M. Kemensin et Artavila, M. Kemensin et Artavila, M. Khalef sur 90% de la question. Écoutez, M. Khalef sont sur 10%, M. Khalef, 10%. Ils ne vont pas parler sur les 90% ni en chatartini, ni dans le ou dans C'est pour ça que malgré la polarisation, ils vont toujours faire passer des choses. Progressivement, mais ils vont toujours faire euh, passer des choses. Et les, les, les réunions des fondateurs, c'était la même chose, se négocient, se négocient. Alors je dis quelqu'un l'exemple, voilà dites l'histoire à qu dit avec the, avec the Ben Franklin, Benjamin Franklin, qui est d'origine de Philadelphie, c'est une personne, c'est un poids de l'histoire américaine, la première université américaine, la première, euh, les pompiers, la ville il était vraiment un journal, un la revue, euh, il a fait de la recherche, il a dit la réunion, mais il n'était pas représentant des, des États-Unis, il n'était pas. Représentant la Pennsylvanie, mais invité un petit d'Arthur Mordela Hamar, il avait 80 ans, euh, il n'a pas de guillemets chez le doyen de l'article de la mort. Il a pendant la réunion, il a George Washington, qui était qui était le chef euh, le, euh, militaire qui était le général euh, l'armée je qui a la, présidé la réunion n'importe à se négocier de dîner déclaration d'indépendance et tout ça l'union la constitution et, euh, min j'imande de 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 philadelphie de, de, la, de, euh, uh, de le rôle de l'indépendance la déclaration de, de, de l'indépendance et tout ça après à, à, dans les représentants de, de chaque état parce qu'il y avait il y avait qui était contre l'indépendance ils pour ils étaient contre l'indépendance mais il était clair, que, il était clair que... توجع تخمم على لاكاب ديالي ما تسمحش الاستوار. انسى انسى دو في لسن تالمون واعر و على فن بلي باللي قاد خدمنا إنديبوندونس. اللو نعاون إلا دينان بن فرانكلين مقار مقار إلى مراي إميرن. سيتي انساج بارسكو دابر تو سكي لا في إلو إلو إنفيتي. اللو إلو 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 إنفيتي. اللو إلو 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 إلو

Lincoln, c'est la même chose. Abraham Lincoln, bon, c'était un républicain, mais les républicains guéminiques, les républicains, les républicains. Euh, Lincoln, il a présidé dans, dans des périodes, c'est les plus noires, les plus noires de l'histoire de américaine. Mais euh, au milieu de tout ça, il souffre d'Américains encore plus forte que qu'Américains d'avant la guerre, la, la guerre civile. Et, euh, le le trompisme, c'est un incident de l'histoire de américaine. Trump, Trump c'est un cas atypique de l'histoire de, de la politique américaine. A c'est un homme d'affaires mais ce n'est pas l'homme d'affaires ni qui, qui a qui a pris les élections il White House. C'est reality tv person c'est la personnalité de la télévision le connu ce qui est la abc uh, prime time cest à dire le temps ni quand chaque jour et l'émission nines jamais a di la kid americana mads canadien et chaque soir il va faire passer les idées sa méthode c'est nick you are fired de chez la personnalité nines la celebrity nines c'est tout ça elle a inspiré beaucoup de personnes donc c'est une qui a dominé la Axel, Axel, il y a eu aussi, si je me permets, c'est un point important. Pourquoi Trump est venu Une des grandes raisons, Axel, juste pour pour mettre les choses au point, c'est que c'est qu'il y a eu un ras -bol de la, de la euh, des ouvriers. Ok. Ça c'est très important parce que les 30 dernières années, ça a créé une très très grande brille entre la classe supérieure et la classe moyenne. Trump il a profité de ça. Donc Trump, tu chaque fois qu'ils les ont donc et c'est une personnalité de la télévision, on va dessiner des phares. Et dès qu'il y a ces cas je vais me présenter les élections. On va dire oui, c'est convaincu de présenter les élections. Obama est convaincu

intimider. Euh, Trump, c'est sa personnalité, c'est un narcissique. Tu mm -hmm. peux pas le critiquer dans le... Obama, il est servi. Il est servi. Donc, il m'a un de Il est il est la politique, il Donc, il a fini par se présenter, de présenter... les Américains, c'est un... une blague. C'est une blague. Mais, il yeah. a are... oh, il a touché un air un très sensible qui gagné les gens qui ont été complètement abandonnés. Et à l'industrie américaine, l'industrie américaine, elle s'est transformée. Les choses l'ont dit. Serve l'automobile, serve, l'industrie du buzzer de la Pennsylvanie, servent toutes les industries lourdes Les gens. Ils étaient middle class, même si des jobs qui, qui sont très, très simples, mais ils étaient, faisaient partie de la middle class, ça veut dire des salaires sous les stations, parce qu'il y avait les, les syndicats et tout ça. À un moment donné, l'industrie s'était fondée. La il y a beaucoup de des entrepôts qui sont complètement abandonnés. À, à l'époque, il y avait des trucs industriels. Bon, il y aura les médias, il y aura le c'est le business et tout ça. Euh, la, 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 la technologie, la Californie. Donc, il y aura des choses que les Américains développent. Ils développent les idées, le design et la fabrication se fait ailleurs. Tout simplement, on développe des idées, on développe des produits, on demande aux Chinois de nous, de nous les fabriquer. C'est une, une évolution de l'histoire. Et comme par hasard, cette évolution, elle a, elle a laissé toute une partie, toute une partie américaine. Euh, dans la pauvreté, c'est rare, mais nécessaire y a un petit village, Là, une usine à côté, euh, euh, tout le monde s'en sortait très, très bien, et quand tu vas à l'usine, euh, c'est tout le monde qui est dans la pauvreté. Alors, on a décidé de s'attendre, parce que c'est là qu'il y a des gens qui et qui Il a choisi vraiment, il y a des gens qui sont venus, et puis ils sont venus et ils ont vu qu'il y charbon, qu'il y avait du rosé, et ils

Les Américains yensent les clés. Il ne fallait pas mettre Hillary Clinton. Ouais. Hillary Clinton, il a coûté la, la présidence. Uh, axel, axel, je rajoute juste tu te rappelles, Made in America, c'était son slogan. Yeah. Made in America, oui. Yeah. Oh, voilà, exactement. Uh, Donc, uh, made in America, le, le parti de Joe Biden aussi est pas mal. Oui. Il, il veut suivre ça. Euh, non, Biden, il est protectionné. Non, Biden, mais c'est un nouveau discours chez les démocrates. Ouais. Parce qu'il a vu que ça gagne. Ouais. Les politiciens, c'est des Machiavel. ils suivent le courant. Ouais. <laughs> ah, y a, y a, Attends, euh, Arachid, un petit point. Il y a quelqu'un qui a parlé, je pense, euh, je voulais répondre à Abraham. Quand il a dit euh, euh, Trump, il a perdu toute, euh, il n'a pas de valeur morale. Ouais. Attention Obama n'a pas de valeur morale. Bush n'a pas de valeur morale. C'est tous des machiavéliques. Attention. Sauf que Trump, il ne sait pas parler politique. Correct. Il n'y a pas de morale dans la politique, surtout américaine. Ouais. Euh. Euh, mais Mais il moi le dernier point par rapport à Trump. Euh, L'un des points, donc, des qui ont été vraiment laissés, laissés de côté. Donc, le fonds votant est les républicains, Clinton. Clinton il a, il a beaucoup de tâches noires par rapport à Sergesis, par rapport à en tant que en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc, il va de chez Mais Trump, il est ingénieux parce qu'il utilise Twitter. Il communique sans filtre. Et là, quand Tous les présidents américains donnent les filtres, c'est-à-dire servent les conseillers. Les conseillers, ils vont revoir la de ils vont préparer des discours. Tu vas pousser tes idées, mais il y a des gens, tu as des contre-pouvoirs qui vont te dire non, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, il faut pas. Trump il dans son filtre. Il a des millions de followers sur Twitter. Il a directement échappé voilà un homme qui dit ce qu'il pense. Donc, vote en silence. Ça Mais mais après sa gestion catastrophique, le deuxième vote en finalement finalement Trump je vais tout changer derrière l'industrie l'industrie du charbon de la Chine je vais bloquer ça et tout ça il se tuer l'économie parce qu'il a donné des, les tax breaks pour les grandes compagnies et maintenant Covid 19 est redite il a complètement ruiné l'économie il y a des millions d'Américains qui ont perdu leur job. Euh, donc, euh, il est difficile de, défendre, de dif défendre un bilan, mais bien pour, se, pour être réélu. Et les démocrates, après la leçon, les Clinton, ils ont fait un travail, ce qu'ils appellent grassroots campaign, c'est-à-dire que du porte-à-porte, -porte, sur les téléphones, euh, sewer, phone banking et tout ça. Il y a un énorme travail qui a été fait. Ils sont sensibilisés, ils ont convaincu beaucoup de gens à, à aller voter. Ils ont voté et

ذي uh, أربع سنين نجي معنا uh, سان تم جروي في uh, يجهد وسان uh, uh, أينمون قارة النتيجة حالي بردان the checks and balances the counter power أرشو uh, uh, قارة لبارتي ريبليكان uh, uh, بل, uh, أذي قبل بلين أذي لي على الوريجين uh, دون غير سيفيل uh, خطر ما يلان يوذي فا ذا شو تبورثيس ثبورثي سك آه ثمورثي بضع نافسين أتوال أتوال عرض فير أتوال روبوني وس وسام ثورة كجيف ذف لس الحرس ولس داخل برويس آه سناب اللي هم تفيس قرن سعودي ذين يكفل لاف كلا تحضى من سان ماشي دار واحد إزراب لين أكن تخميما إزراب ذي روح اشو كان و امي مذنو نحمل على ذي الجامكان يزديك يحمل على ذي الجامكان يزديك اه هذا أه الحساب يسي يبغى أه ديوغال نتصور شو كغار أه ازم راه ديوغال هذا ما يجاش تزدي خاطر تو راه كاين فلاس أه توخيرنا كدينا حميد أه فقاً ou donc, faqara, d'un d'une faqara, mais ils ne sont pas en train de se la violence. Donc, je suis très heureux de voir le Parti démocrate des sages américains qui tient toujours à l'équilibre démocratique. C'est ce que l'armée d'ailleurs. L'armée étant.

بغاتي تفهم مع يعني نقبل نروح آه الغاشي لا تخمي من ثاكين امشي كاكين هذه فوطي ومزان قوم كان الغاشي النظام سي با ديمقراطيك انسان الحساب ثاكين اكنا 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 يسقسينا ثقات الثقات الى قات سموكلون الشوال كون نظام دابور آه باللي مريكان تيمورا يقدو كل ياراسن تزيد <applause> تامور تامور ثوال تدو كل اما كان اما كان كدينا حميد ساش انت باقي ثالث دو كل دو كل يا ليون يا ليوث يبدا يا ليوث تمور تبدا يا غبلا نيس وان ناس نكوش تكسمع الزيسكلاب وان ناس نكين ساعة طاس تمور تو الغاشين مخونويا دي نيويورك وخدم مالات ساعة الغشيه تاس لا دونسيتي دو بوبولاسيون مقرث تساوي ما تاس اسمي ساس تفهم الحكوم ثلاثه اربعه موران واحد تزمر تفت الحكوم فاطاس وزمر تفت الحكوم مانيرا ديتيرميني ما الا لو فوت بوبولار وحدس ساس را لي ميم زيتا كي فون غاردي لو بوفو كي يا لو ريسك اسكو لو ميم زيتا غارد لو بوفوار لونتون بلوس لا جيوغرافي صافي ثلاث دول شتو حارد فيه Les souhaits, mais qui les grands électeurs. Euh, mais dans le même temps, c'est le même Les bulletins de vote, des pouliments, euh, euh, l'électronique continue. 50%, 51%. Non, dire que les les grands électeurs, c'est un point d'équilibre. D'abord, où gardent-ils, où uh, les grands électeurs?

le vote populaire c'est sur ce qui mais les grands électeurs n'y aient ni leux n'y aient davantage ou qui ne le vote marginal ou euh, bon ça fait partie de la légitimation mais le savent et le les grands électeurs c'est pour ça que le euh, vote populaire euh, ou qui ne fiera ni là et la CADAWEV, les grands électeurs. C'est une forme de démocratie parce qu'aujourd'hui, euh, il se pose de nouveaux débats. Machil euh, Giltmour euh, à travers le monde. Euh, le nouveau débat est que euh, est-ce que les humains euh, doivent tous avoir euh, le même droit de vote C'est une question qui se pose aujourd'hui, que les philosophes se posent, que les politiciens se posent. Non.

تنفال دي سوا ثني ومازال مازال ثورا أ.. سايم كانيسي وكنين و و, و.. 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 أ.. أ.. سيدينا راندا أ.. أ.. لان تصل غاشي هذا وين هذا كان كان حكم جارس ما كان تورا كان كوليه مورث ما في الغاشيه كل جاير ثم الناس وهران نفا أه أ.. نفا قسنطينه بركك شارفايا <applause> جين شحرانيو كورا اور تيمليل تاكود ون وزميرنا راه تقرب نور ذا قرب شي طوحه الحكم خاصو لو كان سيدي محسوب لو تفرانين جديين برانسيب ديموكراتيك فوت بوبيلار تو سكو تي فو ايليا سي تون جو ايليا سي تون جو تلميذ يحب تيميت سامر لي كرون زيليكتور شكون ما تشتر تيفهم منها مازال C'est une confusion. Tu l'as éclairé. Tu as ramené un point très important. La démocratie, c'est un vote, une personne. Le problème, tu as ramené un problème fondamental. D'ailleurs, le, le capitalisme, il marche dans une seule condition. Le capitalisme, il marche dans une seule condition. Sauf si tout le monde a la même information en même temps. Ah, c'est ça la base du capitalisme. Sinon, oh yeah. Si moi j'ai une meilleure information, je vais te dépasser. C'est pas. Eh bien, dans la démocratie, c'est la même chose. La okay. démocratie, c'est ça. Quelqu'un qui qui, qui qui connaît, qui a les connaissances, des vraies connaissances de la situation politique du pays, il va bien voter. Mais malheureusement, l'argent, il achète l'information, il désinforme.

c'est-à-dire en somme le pétrole parce qu'apparemment c'est un enjeu d'uniformément qui de lié c'est entendu par Biden les choses l'impact son changement qui est grave le pétrole drame ouais 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 et il connaissait une scène à cause du pétrole donc elle a arraché avant de parler de pétrole je veux parler de un petit peu de quelque chose de fondamental et c'est lié un petit peu à l'Algérie puis euh, bon Uh, quelles sont les, les, les leçons qu'on va apprendre un petit peu du, 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 des élections ou du système politique américain si tu me poses la question est- ce que c'est le est- ce que c'est républicains qui est mieux ni le démocrate la question Yeah, c'est un, okay. un message un petit peu aussi pour, pour, pour no. les Algériens. Pour, Exactement. Eh bien, eh ben, la, la réponse, ce n'est ni l'un ni l'autre. Okay. On, on a besoin des deux. On a besoin des deux et c'est comme ça que ça marche l'Amérique. L'Amérique, c'est l'ouverture. C'est J'ai marqué ça, Axel. Axel va faire la négociation en 1872-73. Et là on veut l'indépendance, là on veut l'indépendance. Et ben la solution, il n'y a pas un qui a dit c'est mieux ça a été un débat, une discussion. Même l'indépendance de l'Amérique ça a été discuté et finalement ils, ils ont décidé de pour aller vers l'indépendance. Donc donc c'est-à-dire au niveau les libéraux, on a besoin de, de temps en temps des libéraux pourquoi Parce que les libéraux c'est l'ouverture. Ils s'ouvrent au pays, ils ouvrent, ils ouvrent la frontière, ils ouvrent les compagnies aux nouvelles idées. Ça fait avancer le pays. Et des fois, on a besoin des conservateurs parce que des fois, on veut régler les affaires intérieures, un peu plus de stabilité. Euh, Peut-être qu'on a poussé trop le bouchon vers l'extérieur, comme maintenant la globalisation, les Américains pendant les, depuis les, les, les années 80. Ils ont commencé à aller vers l'extérieur, à aller produire en Chine, en Inde, là c'est moins cher. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça a fait Ça a fait qu'il y a moins de jobs aux États-Unis. Ça a créé des pauvres aux États-Unis. Et maintenant, les conservat conservateurs ils sont venus puis ils ont dit « made in America ». Il faut re-rentrer nos industries en Amérique. Et c'est ça qui fait la force. Donc, si tu dis « non, c'est tout alors, la leçon qu'il faut tirer pour le, pour le système algérien, à dîner, mon système est meilleur, euh, islamiste, parti unique, parti ouvert, parti démocrate, parti clair, parti clair. C'est tout, 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 à un certain moment, tout est bon, mais tout doit être mis sur la table pour discuter. Et discuter des enjeux du moment, parce que les enjeux changent. Dans dix ans, ça ne sera plus la même chose. Donc, euh, c'est ça. Alors, juste pour te donner une image de quelqu'un qui a, euh, c'est-à-dire. En réalité, c'est comme le, le, le choix d'un parti ou le choix d'une direction d'un pays. C'est comme si nous relions sur le. Il y a quelqu'un qui a donné une très belle image. C'est comme si on est sur le dos d'un serpent géant et il se tord, il fait de la rotation. C'est le, le truc, c'est comment rester au centre sans dans, tomber sur les côtés. C'est c'est comment, c'est toujours, toujours, toujours ça. Le pays, il peut tomber. C'est comment le retenir, comment le retenir pour qu'il ne tombe pas. C'est ça la, la, la problématique fondamentale. Et aujourd'hui, euh, aujourd en Algérie, on peut dire que qu'on est sur le dos du serpent, mais on ne met la passe, on est tombé. C'est comment revenir au centre, comment revenir ce centre C'est par par la discussion, par le débat, par l'ouverture surtout, l'ouverture. Donc euh, c'est ça que je voulais ramener comme point. Ah, pour le pétrole, pour ah, le pétrole rapidement, vas-y. Ah, pour le pétrole, écoute, il y a Biden. Je sais qu'il a annoncé qu'il va s'ouvrir au Venezuela, à l'Iran. Il va enlever l'embargo probablement, pas aujourd'hui, mais peut-être dans les années à venir. Ça, ça va augmenter la production, donc le prix probablement il va baisser. Mais il y a autre chose qui contrebalance ça c'est qu'il veut aller green, vert. Donc s'il va aller vert, il va euh, diminuer la production aux États-Unis, il va faire très attention aux importations, il va aussi euh, obliger les compagnies à, à payer plus de taxes, donc peut, probablement le dollar va baisser, donc le, dollar peut, euh, le, le, le prix de pétrole peut augmenter. Donc ça, ça se balance, Ni, on ne sait pas vraiment, ça dépend des deux forces. Ah,

pour trouver un compromis. Et il y a devenu, la décentralisation. américaine. le gouvernement fédéral, il s'agit d'un certain nombre limité de choses qui sont décentralisées. Les élections, les élections organisées en Amérique, ce sont des élections organisées par des gouvernements locaux. C'est à l'échelle du comté, c'est à l'échelle du, com du comté qui sont organisés. C'est les États qui organisent les, 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 les élections. C'est les États qui certifient les, les élections et aident les résultats pour, pour, pour l'administration, le, le, pour, pour faire les changements. Le, le président n'a rien à décider sur ce qui va se passer. Euh, la polémique sur, sur le compte des votes est-ce qu'il y a à ce rapide, est-ce que c'est des votes valables le système il est bien établi, il n'y a pas de fraude. Il est difficile de compromettre la décentralisation, l'avantage, il est difficile de compromettre des milliers de gens dans des, des coins différents du pays. Le coin c'est le système qui organise les élections. Il va donner les instructions, il va décider de où il est, de où il de appartient. Et tu as une mafia qui organise des élections, automatiquement, on se met à traficer. En à la fin, il n'y a pas de certification. A la <gibans> à la fin, on va dire ministre de l'Intérieur, cest voilà, c'est telle personne le président, voilà les chiffres, les chiffres, ils ne sont pas vérifiables. Ils ne sont pas ouverts. Mais on voilà, dire, on va faire un vote particulier de nos étudiants, de nos étudiants, on va l'histoire, c'est-à-dire le papier, la preuve en papier. Il est difficile de le faire. Donc, la mafia s'il y a une leçon s'il y a une leçon qu'on doit tirer c'est c'est euh, la décentralisation mais les parce que les ce sont les problèmes ils ne pas quelqu'un qui est pas le euh, les problèmes ce sont les problèmes

Z'ont une fanson, des choses. ça, mais on a un pouvoir qui leur dicte. Non, Et dans ce cas-là, des choses qui créer une révolte. Ça veut dire, ça va exploser. Ça a explosé déjà plusieurs fois, mais ça va Et automatiquement, tu vas avoir des mouvements indépendantistes. Automatiquement, tu peux pas. La nature humaine.

اون تفكا كون تشتاكي تبغى ما تخدم ليكونومي كنون هو انت تفكا تبغى ما تصفر الدين نور مال <سؤال> الدين وزيت ليب دون سكا لا اي فا اتينيو لا يمكن هاد الدين راكين لا بوم بنيت هكين باش تيكسبلوزي ني ثنيان اي زون شوازي ان اوتر شمان فوالا دونك تيوا فا تيوا تي فا كابيلي كي فو كي فو تان ديبوندونت بون تو راه سوني با تو لي كابيل لا شي قارن لانديبوندونس مي لان شي راه غادي تقارن باسكو غادن Les initiés ainsi parce que après l'indépendance. parce qu'ils sont bien là où ils sont, mais ils ont le job, l'entreprise, ils ont ils là un intérêt que l'Algérie soit, soit unie dans la Donc ils vont préserver ça. Mais tu as de plus, en à chaque fois d'utiliser toutes les élections, chaque fois de Roland il parle à chaque fois. Tu as plus de, kab de Kabyles qui se convertissent vers vers l'autodétermination, vers l'indépendance et tout ça. De plus en plus convaincus de travailler bien. Heshang, Nissim Ximen, des régions les plus belles, même si je m'attends pas à ce que le, le gouvernement algérien diffiquise à veiller, ils n'auront pas une réforme équitable. Non, ils sont là pour nous pour nous contrôler, et qui gagnera la réforme? Ils vont continuer de gérer le Zairekéguien. Elles sont toujours les Daïras, les Walis et tout ça. Ils contrôlent tout le monde. La gendarmerie, la police et les Harshins et les Harshins. Et le Kvéhir, comme un dissoux, c'est difficile pour tout un peuple de synchroniser un mouvement de libération. Il est très, très difficile. Il faut reconnaître aussi que la classe intellectuelle et la classe politique kabyle, elle a laissé un vide. Une le vide du vide, on va on va on va on va n'y a. Mais là, tu n'as pas de médias. tu as les télévisions algériennes qui sont en train de matraquer des messages pour nos kabbils, ils achètent grammes de chaque kabbil. Tu as des imams et donnent pour chaque kabbil tout le temps. Je veux dire automatiquement ils vont laver les cerveaux et tout ça. Irak, la classe intellectuelle kabyle, la classe politique n'a rien. Irak, c'est un pays C'est pour ça qu'il y a toujours le qu'il y a va... dans parce que c'est quelqu'un quelqu qui essaye de, de ramasser tous ces mouvements, tous ces intellectuels, de leur donner la chance de s'exprimer et aussi de, de

il a contrôlé sur la force, donc il continue de contrôler sur, sur, sur la force. Mais de l'histoire de l'Algérie, dans le contexte again, géopolitique, sera après à l'élection de Biden. L'Algérie, c'est des figurants. Euh, bon, économiquement, c'est un pétrole. Donc, ils invitent des compagnies de sortir de la de se le cash sur le sud algérien. Ils vont continuer à le faire. Mais Biden, Biden c'est quelqu'un qui va pousser l'agenda de de l'environnement, de clean energy, les énergies propres et tout ça, ce qui va, ce qui va donner un, un coût euh, aux producteurs de pétrole. Donc, euh, je m'attends à ce que le prix du pétrole euh, descende. Euh, sobre le pétrole donc l'algérie va se retrouver dans, dans des difficultés mais politiquement l'algérie n'a pas vraiment de pouvoir politique il continue de protéger le polisario il continue de se dire que a décidé' de la libye mais en dehors de ça il n'y a rien du tout Ils protègent leurs propres intérêts les entreprises souverain la production locale parce que So when the containers, so when the, they ils ont des amis de l'Europe, ils ont des amis du de, de, de Moyen-Orient, ils entretiennent mm. ces relations. Les Sinon, la Kabylie ne va rien gagner, um, l'Algérie ne va certainement pas gagner grand-chose, mais ils ont un sort pour le Parti démocrate, ils ont un pour, pour Hillary Clinton, donc ils auront le support d'une administration démocrate c'est-à-dire politiquement, ils vont avoir un une sécurité de plus. Mais les Kabylans, je ne pense pas que le gouvernement américain va faire quelque chose aux Kabylans. Si les Kabylans ne s'organisent pas sur un pouvoir en tant qu'électeur c'est-à-dire en tant qu'un convaincu -qu les démocrates, on n'aura pas de pouvoir et il sera difficile de bouger les choses. Et comme les Kabylans, ils sont dans les grandes villes américaines. Ils sont dispersés dans les grandes villes américaines. On peut pas convaincre un démocrate, mais il a besoin de nos votes. À Qatar, les, les, les votes des villes, c'est des, euh, des votes démocrates, mais c'est les Kabylans sont les cabiles, est Donc, est-ce des groupes de Kabyle. De l'Iowa, de Montana, des les communautés bien établies, les élections, ils, vont, ils auront le pouvoir de changer les élections. Dans ce cas-là, le gouvernement américain et le Zaire signent un acheteur de l'Église. Mais d'ici là, euh, ils ne vont, ils vont, ils vont, ils vont pas lever le doigt pour, pour protéger les cabines. Quand vous dites le Canada, vous avez un un petit avantage par rapport à Ronald, les communautés kabyles du Canada sont dans, des, sont dans des centres urbains. C'est-à-dire que les Montréal les Kabyles à Montréal ils ont le pouvoir de changer le, le sort des élections. Donc, ils ont le pouvoir soit d'avoir leur propre candidat, de proposer leur vote pour, pour des candidats. Donc, ils se un emploi de la politique. Mais les Américains, on est loin. On est loin d'avoir ce pouvoir. تنمير كي كان شياس الدين الراشيد تنمير <applause> التصيد من الملك حميد التصيد سنغ القياده تص انسام الممثلين زمراد ناوي غاسي ام زوي المغرب كانه غي بلاطون لي فادر سكي يريد سبدن ثم داو ثم زوارو عندي كثير ذاك الوادي في لانديلفي الممثلين زمرني خبالي وكنير

Non, euh, ce qu'il a dit, Axel, c'est tout à fait vrai. Euh, on sait euh, l'Algérie s'est embourbée dans des, des problèmes qui sont causés par, euh, par un, un, un régime, je dirais, un régime bandit qui a confisqué malheureusement le, le, la, les libertés et euh, la. la la, 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 la paix sociale en Algérie, le, le pluralisme, la prospérité. Euh, ce que je dis par rapport aux, aux, aux États-Unis, il y a une, une chose les États-Unis, euh, dès qu'ils ont commencé, hein, dès ils ont commencé par leur constitution en 1786-87, ils ont parlé du principe de liberté, le principe de droit à la vie et le principe du bonheur. Ils l'ont appliqué. Ils l'ont vraiment appliqué. Ils ont mis de côté. L'Amérique, c'est un pays divers. Il est fait de toutes sortes de gens et de religions. Ils ont mis toutes les divergences, diversités de côté et ils ont fait une seule chose c'est la, la, la prospérité, le bien-être du monde. C'est ça qui compte. Nous connaissons les bandits et les Ils nous ont mis plein de de problèmes. Bêche, un âge dans l'ignorance, dans la division, les problèmes de la religion, les problèmes identitaires, toutes sortes de problèmes juste pour s'éterniser. C'est ça le problème. Ce que je souhaite, c'est que les Algériens ne tombent pas dans le piège du régionalisme. J'espère. Que les Algériens vont s'ouvrir à l'universalisme et regarder qu'est-ce qui marche le mieux sur la Terre. On est tous des humains. Tout ce qui est personnel, privé, religion, la langue, c'est très très important pour l'individu, pour le privé. Mais en tant que société, il faut s'accepter, travailler ensemble pour trouver quelque chose qui fonctionne, qui marche. C'est dire l'idée des Américains. Ça marche, ça fonctionne, ils avancent. Tous les problèmes identitaires, les problèmes, ça vient après et les arrange. Tu as ta liberté, tu, tu fais la religion que tu veux, tu fais la langue que tu veux. Bon, les Américains se sont entendus sur l'anglais. Ils ont avancé avec l'anglais. Donc nous connaissons, nous connaissons le gouvernement, le gouvernement Nair, qui est un gouvernement militaire. Il a tout fait pour s'éterniser en inculquant. Des problèmes, et ça marche pour le gouvernement algérien, ça marche pour ses militaires. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la religion. Tout ça, c'est des problèmes internes. Les problèmes, si tu associes un pays, une société diverse à une seule identité, tu ne vas jamais t'en sortir. On va s'embourber. Et les Américains, ils l'ont compris en 1786. Ils pourquoi ils l'ont compris en Parce qu'il y a eu 400 ans de guerre religieuse en Europe. Ils voulaient pas tomber dans ce piège. 400 ans de guerre. Les problèmes identitaires, c'est pas qu'ils sont pas importants. Ils sont très 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 importants. Mais en tant que société, il faut les laisser, c'est-à-dire les laisser en parallèle. Ce qui compte, c'est avancer ensemble. Trouver des, des solutions tout de suite pour avancer ensemble. Ça, le message, c'est ça, c'est ça l'Amérique. سولك انت جرام كريم <applause> تكيري الامريكان او يوفان اتس اكتب عنك كرام في الامريكان اذا انت تولى ما مظالك برونشي اجاك يظهرون كا خاطر ازكى الامريكان ازكى مظال اتص سنتال نوير سيرا زاد في الامريكان تمثال نظام سيام غاردين او دينير قيمة ذي ثلويت